Transformer ce vulgaire gymnase en une salle digne d'accueillir le dîner des nouveaux membres relève du défi, c'est évident. Bien sûr, il faudrait commencer par masquer ces atroces paniers de basket de très mauvais goût par quelques teintures de soie. Quel talent, Randolph, des teintures de soie. Mais oui, bien sûr qu'elles sont du raffinement. Pourquoi faut-il toujours que Sam s'inscrive dans des clubs intello? Mais Sam, chérie, je ne critique pas les qualités nutritionnelles de votre composition de repas. Mais je doute que nos invités si délicats apprécient vraiment un bon jarret de choucroute, comme vous dites. Bon. Vous comprenez? Alors après dîner, les gens voudront écouter de la musique et danser quelque peu. Bah d'accord, ça tombe bien, la musique c'est ma spécialité. Écoutez ça. Ça ne manque pas de rythme en FM, mais je crois que pour un dîner officiel, les éminents membres de notre club préféreront quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Comme le tango, par exemple. Accordez-moi cette danse. C'est ma faute. J'aurais dû me douter que vous ne maîtrisiez pas correctement les pas d'une danse digne de ce nom. Je suis nulle. Nulle et complètement nulle. Tu sais bien que non, Sam. Allez, oublie le bal du troisième âge et viens avec nous t'éclater pour de bon à la fête foraine de Beverly. La fête foraine? Pour que tout le monde se moque de moi? Ça, hors de question. Je ne me montrerai plus en public avant d'avoir réellement l'air présentable. Direction le cours des bonnes manières. Quoi? Et surtout, gardez à l'esprit, Samantha, qu'une parfaite élocution et qu'un maintien irréprochable sont essentiels si vous voulez faire bonne impression. Répétez après moi. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? À vous d'essayer. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Je vous propose de réessayer. Seulement cette fois, inclinez délicatement votre tête en l'air. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? C'est déjà mieux. À présent, occupons-nous de votre maintien. L'annuaire de Beverly Hills sera votre meilleur ami pour acquérir une démarche digne et élégante. Ça va tomber, là! Ces cours d'élégance et de maintien, c'est vraiment n'importe quoi. Ça ne ressemble pas du tout à Sam. Ouais, tu m'étonnes. Je crois surtout qu'elle fait ça pour charmer Randolph. C'est lui qui devrait être moins snob. Ah, vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Allons bon! Où diable sont-elles passées? Mesdemoiselles, c'est extrêmement impoli de partir sans dire au revoir! Alors là, les filles, je crois que c'est une première. Vous aurais-je interrompu pendant votre pause thé? Oh non, non, pas du tout. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Volontiers. À tous mes compliments, Sam. Vous savez à quel point je suis sensible à ces petites attentions. Est-ce que ça veut dire que vous me trouvez changée? Bah, évidemment. D'ailleurs, c'est très simple. Vous me rappelez ma mère. Sa mère? C'est vraiment trop drôle! Passons à la mission du jour, voulez-vous? Rien de très passionnant, j'en ai peur. On nous a seulement signalé une recrudescence d'actes de vandalisme, de passage à tabac et autres agressions liées à des comportements primitifs. Vous nous envoyez en mission pour donner une correction à une bande de voyous? Les candidats à la domination mondiale sont en grève ou quoi? S'il est vrai que ces incidents sont relativement mineurs, leur fréquence en progression constante a fini par attirer notre attention. Tenez, alors même que nous parlons, il semble que le centre commercial subisse un assaut. On attaque notre centre? Je vous le confirme. Rendez-vous sur place dès que vous aurez vos gadgets. Gladys! Vous disposerez pour cette mission de lunettes à détection infrarouge très design, comme vous pouvez le constater, de la lime à ongles laser et du sèche-cheveux Tornado 9000. De plus, vous pourrez affronter les pires conditions climatiques, y compris les pluies acides, grâce à ce parapluie compact, rétractable et blindé au téflon d'une élégance rare. À présent, filons au centre commercial. Et surtout, n'oubliez pas, pas de shopping! Vous êtes en mission, les filles. Pas cool! On arrive trop tard. Notre centre commercial est totalement ravagé. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Une émeute? Des soldes? Une troisième démarche? Attendez, on dirait que les responsables sont toujours dans les parages. Non, je vois rien de... Oh, une seconde!
Là-bas, près du magasin de chaussures. Hé, hey, bande de primates, si vous cherchez votre taille, il faut aller au rayon homme. On t'a déjà dit que t'étais un peu balourd, King Kong. Ils sont peut-être un peu lents, mais ils ont l'air méchamment costauds. Je ne sais pas qui ils sont ni d'où ils sortent, mais leur élocution et leur façon de se tenir sont abominables. Oh, ils ont une drôle de façon de s'amuser. Hé, hey, regardez là-bas. J'ai bien cru que c'était un vrai. Si ces hommes des cavernes sont réellement aussi bêtes qu'ils en ont l'air, un hologramme pourrait nous sauver la mise. Ça me rassure, ça prouve que je suis au-dessus d'eux sur l'échelle de l'évolution. C'est sûr, c'est pas non plus un exploit. Hé, espèce d'orang-outan, tu ne sais pas que c'est pas poli de tirer une fille par les cheveux? Lâche-la immédiatement! Alex, trouve quelque chose! Si ça continue, cette brute va m'arracher les racines! T'en fais pas, Sam! On n'apprend pas au vieux sage à faire la grimace! Est-ce que ça va, Sam? Avec un baume lissant antifourche, ça ira. Celui qui a donné la lance à cette brute n'avait pas la même allure que les autres. Je me demande où il se cache à présent. À mon avis, il a dû filer avec le reste de la meute. Il nous reste au moins cet homme singe, c'est mieux que rien. Voyons à quoi il ressemble. Mais c'est Randolph! Elle a raison, c'est Randolph! On fait quoi? On le ramène où pour l'interroger ou alors on le dépose au zoo? Alex, tu vois bien que ce pauvre garçon n'est pas dans son état normal. On dirait qu'il a remonté le cours de l'évolution. Il se réveille. Je ne peux pas croire que vous ayez osé ligoter ce pauvre Randolph. Arrête un peu de t'apitoyer sur son sort, j'appelle Jerry. Je vous écoute, mademoiselle, est-ce que vous avez du nouveau? On a bien capturé un des vandales du centre, mais accrochez-vous, il s'agit d'un garçon du lycée sur lequel Sam craque complètement. Vraiment? Voilà qui est décevant, je croyais que Sam avait suffisamment de jugeote pour mieux choisir ses fréquentations. Mais enfin, ce n'est pas un vandale! C'est le président de l'association Classe et Élégance. Un être tellement raffiné et au goût si sophistiqué qu'il adore les fruits en plastique. Examinons-le de plus près. De toute évidence, ce fameux Randolph est un homme des cavernes. Quoi? Après les résultats du scanner et en particulier la taille de sa boîte crânienne, il possède toutes les caractéristiques du Néandertal. Mais on l'a vu pas plus tard qu'hier au lycée, il était le plus civilisé de tous les garçons. Alors ça voudrait dire que quelqu'un s'amuse à faire retourner les gens trop bien éduqués direct à l'âge de pierre? Mais pourquoi ferait-on une chose pareille? Excellente question, Clover. Avez-vous d'autres indices par hasard? Pas vraiment, Jerry, c'est-à-dire à part cette lance? Notre homme n'est pas à la pointe de la technologie, on dirait. J'ai trouvé! Sa lance ressemble exactement à celle du département d'anthropologie de l'université de Beverly Hills. Alors rendez-vous là-bas immédiatement et vérifiez s'il s'agit de la même. Je me charge de transférer Randolph au groupe afin de voir si l'on peut inverser le processus de régression. J'espère pour Sam que vous y parviendrez, parce que sinon le dîner de l'association risque d'être extrêmement chamboulé. J'espère qu'on aura résolu cette affaire avant la fin de la fête foraine. J'ai tellement envie d'essayer la nouvelle attraction, le fer à friser. D'après le plan de la faculté que j'ai consulté, nous sommes dans le bureau du responsable de tous les objets d'art, le professeur Link. Sam, t'es sûr que ce type est un vrai professeur? Non, parce qu'ils n'ont pas l'air très sérieux, ces diplômes. Cours par correspondance de la faculté de paramicronésie. Il aurait pas fait bac moins 12, celui-là. La vérité, c'est que Link s'est fait rejeter de presque partout. Harvard, Princeton et toutes ces facs réservées aux élèves à fort quotient intellectuel. Écoutez, ça, c'est un article d'une revue scientifique. Les théories du professeur Link sont si risibles que ce monsieur devrait penser à se lancer dans le café-théâtre. S'il était étudiant en première année, il serait probablement recalé rien que pour ses fautes d'orthographe. Le pauvre homme, il ferait presque pitié. Apparemment, le sort s'acharne, on dirait qu'il a perdu un jeu télévisé. Hé ? Il ressemble comme deux gouttes d'eau au type à la lance que j'ai aperçu au centre commercial. Donc, ce serait vrai qu'on a tous un sosie quelque part dans le monde, à moins que cet homme de petite taille soit le professeur Link. Pourquoi est-ce qu'il a gardé cette photo ? C'est pas un bon souvenir.
Ouais, c'est étrange. Tout comme d'afficher toutes ces lettres de refus. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez cet homme-là. Oh, oh. C'est une vraie grotte préhistorique. Rectificatif, c'est du 100% artificiel. Oui, on dirait celle reconstituée dans les musées. Ça paraît tellement authentique. Les outils en silex, les peintures rupestres, ces êtres primitifs là-bas. Oh, c'est vrai, on dirait qu'ils fabriquent de véritables armes, tous rassemblés autour du feu. Oh, ce sont d'authentiques hommes des cavernes. Ils nous prennent pour des mammouths. Oh, on est coincés. Bon, écoutez, on s'est déjà sortis de situations bien plus périlleuses, alors on va pas se laisser aller, d'accord? Je rêve, on vient à notre secours. Regardez. Je présume. Génial, votre idée d'effrayer ces sauvages avec votre déguisement ridicule, Link. Vous n'êtes pas si bête que ça, en fait. Je tiens mon titre de professeur. Et très bientôt, je serai le seul homme intelligent au monde. Attrapez-les! C'est vraiment une obsession chez eux, la domination mondiale! Jamais on aurait pu deviner qu'un collectionneur de faux diplômes était derrière cette affaire. Exact. Tous les méchants qu'on a l'habitude de combattre sont toujours des génies et non pas des imposteurs. Sans compter qu'ils savent s'habiller, eux. Où est-ce que vous avez déniché ce costume de vilain? J'espère au moins qu'il était soldé. Vous me sous-estimez grandement. Quelle erreur. Ah, heureusement, personne ne la commettra plus jamais. Une fois que j'aurai fait régresser l'humanité tout entière à l'âge de pierre. Ah, bon, alors d'accord, je m'y colle. Pourquoi? Après avoir été humilié pendant des années par les gardiens du temple de la science, j'ai essayé de devenir beaucoup plus intelligent en augmentant mes capacités cérébrales avec ceci. Malheureusement, mon émetteur de micro-ondes a eu l'effet inverse. J'ai donc décidé de devenir l'homme le plus brillant et le plus intelligent de la planète, en rétrécissant la cervelle des autres. Imparable, non? C'est plutôt malin, il faut l'avouer. Ça manque un peu d'ambition, mais c'est malin. Regardez autour de vous. Tous ces primates étaient autrefois professeurs en sciences à l'université de Beverly Hills. On dirait que vous ne me croyez pas. Dans ce cas, je vous propose une démonstration. Je vous présente Arnold Armstrong, le doyen de la faculté d'astronomie. Grâce à la version XXL du dégénérateur mental que j'ai conçu, il me faudra moins d'une journée pour plonger tout le quartier de Beverly Hills à l'âge préhistorique. À ce rythme-là, il me faudra seulement quelques mois pour régner sur le monde. Oh, ça donne le vertige d'avoir autant de génie. On va devenir des filles des cavernes, viande crue trois fois par jour et peau de bête, été comme hiver. Oh, ne craignez rien. J'ai d'autres projets pour vous trois, mesdemoiselles. Vous allez subir le même sort que ces pauvres dinosaures. Peut-être que dans un million d'années, un paléontologue chanceux découvrira vos fossiles. On vous exposera dans un musée. Avouez que c'est une fin heureuse. Allez, à jamais. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour s'en sortir? Ces fumées m'endorment encore plus vite qu'un cours de philo. On a bien le sèche-cheveux super tornado. On pourrait s'en servir pour dévier de notre trajectoire. Si seulement j'avais les mains libres. Hé, hey, j'ai récupéré une pointe en silex pendant la bagarre. Bah oui, je m'étais dit que ça ferait un chouette pendentif. Tiens-toi prête, Sam. C'est pour dans une seconde. À présent, fonçons arrêter Link avant que Beverly Hills tombe aux mains de hordes de sauvages en peau de mammouth dégriffé. C'est la réputation du quartier qui est en jeu. Écoutez, ce son doit provenir du dégénérateur mental de notre soi-disant professeur. Il a mis en route son engin infernal. Oui, mais de quel endroit? J'imagine qu'il lui faut de la hauteur. Là-bas, la grande roue de la fête foraine. Elle domine tous les environs. Allez, on fonce! Ils ont été ramenés à l'état d'homme des cavernes. Oh non, pas tout le monde, regardez.
pas sur nous, ça n'a aucun effet. Anne, c'est sauvage, s'est invité sur le toit de la voiture, je m'en charge. Alex, attends. Mission accomplie. C'est forcément le 4x4. On est protégé du rayon tant qu'on reste à l'intérieur. Alex, remonte immédiatement. Tu viens déjà de remonter quelques millions d'années en quelques secondes. Jette un œil. C'est rigolo. Faudrait que je pense à m'épiler les sourcils. Accrochez-vous, je mets la gomme. Alex, je sais bien que le rayon t'a déjà ramolli la cervelle, mais surtout reste bien à l'abri du parapluie, c'est compris? Alors ça, c'est vraiment une grande roue. Elle sait d'instinct ce qu'il faut faire. Si on veut arrêter le professeur Link, il va falloir grimper là-haut. Alors comme ça, les espions se sont échappés. Aucune importance. Faites-en qu'une bouchée, fidèle guerrier. Il faut vraiment tout vous montrer. C'est déjà assez dur d'escalader avec ce parapluie. Si en plus ces brutes nous canardent, c'est pas du jeu. On arrivera à venir s'ils ne nous envoient pas des projectiles plus lourds que ça. On ne pourra jamais grimper tout là-haut. C'est sûr. Par contre, Alex est sur le point d'atteindre l'axe. Si seulement on pouvait faire en sorte qu'elle découpe le boulon avec sa lime laser. La grande roue tout entière s'écrasera au sol. Alex, fais tomber la roue de son axe. Serre-toi de ta lime à ongles laser. Ta lime à ongles. À présent, essaie de découper le boulon central. Ouais, c'est bien, Alex. Elles essaient de désaxer la roue. Descendez, empêchez-les. Alex a réussi, la grande roue va tomber de son support. Pas tout à fait. Le blindage des murs du groupe a protégé la quasi-totalité de l'équipe du rayonnement. Malheureusement, certains d'entre nous discutions autour de la machine à café, où le blindage est moins épais. Félicitations, sans vous, toute la Californie se serait retrouvée à l'âge de pierre. Moi, poser question. Ah oui, moi, rester toujours comme ça. Par chance, nous avons trouvé un moyen d'inverser le processus de régression. Nous avons procédé à des tests concluants sur Randolph et toutes les victimes du professeur Link qui devraient s'en remettre sans garder le moindre souvenir de leur période préhistorique. Alors Randolph est sain et sauf. Et ta bonne copine Alex, tu te soucies d'elle? Oui, évidemment. Bonsoir, ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. Votre robe est sublime. Bienvenue au dîner de l'association Classe et Élégance. Garde tes airs de grande dame du monde pour ton très distingué Randolph. En parlant de lui, où il est passé justement? Je ne l'ai pas encore vu en fait. Je crois qu'il est censé s'occuper de la musique. Ces nouvelles recrues ont avalé un parapluie, ils sont coincés du nombril. Mais enfin Randolph, vous avez complètement... Enfin, vous avez changé, est-ce que vous vous en rendez compte? Mais comment? Tu peux dire adieu au Randolph rasoir et prétentieux une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi j'ai refoulé ma vraie nature pendant si longtemps. Allez, viens, Sam! Allons guincher! Bah, plus tard, peut-être! Oh, tu ne sais pas ce que tu diras! Oh là là!
mettons le feu! J'ai l'impression que ça lui a fait du bien, notre cher Randolph, de retrouver ses instincts primitifs. Après quelques cours de bonne manière, tu rentreras dans l'ordre, pas vrai, Sam? Oh, quel incroyable parcours! Je crois qu'on ne reverra plus de sitôt l'élégante gentleman qui me plaisait tant. Hé, hey, Randolph, je vais te montrer comment on danse, moi! Ah, c'est autre chose que le tango, non? Ah, oh, écoutez la basse! Écoutez la basse! Oh, c'est une basse funky! Si bien une leçon que je tire de cette mission au contact d'hommes des cavernes, c'est qu'au fond, c'est pas si important d'être habillée à la dernière mode, d'être toujours parfaitement maquillée. Je veux dire, on se détend. Ce qui est totalement normal, naturel, c'est de se laisser aller en survêt et de faire relâche une fois de temps en temps. Clover, c'est Rick, le capitaine de l'équipe de football, il veut te voir. Ah ! Vite ! Rouge à lèvres, spray ou de toilette. Je ferai relâche demain, plutôt. J'arrive.